tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre série sur Trial Fusion. Et aujourd'hui, encore une fois, pour la troisième fois consécutive, on va prendre notre revanche sur Paf le pilote, car j'ai eu quelques conseils par rapport à cette piste. Donc ça vient de la mort qui tue, qui m'a dit d'abord, donc déjà de prendre bien la rampe, bien droit, donc de pas non plus foncer comme ça dans le tas, de faire des coups de joystick vers l'avant et vers l'arrière pour notre personnage, et enfin de se propulser le plus vite possible une fois qu'on a sauté le tremplin. Donc on va tester ça, j'espère que ça va être de bons conseils, que ça va bien fonctionner et qu'on va enfin peut-être décrocher une médaille d'argent, voire d'or, on ne sait jamais, même s'il m'a dit que lui-même il a obtenu la médaille d'argent, la médaille d'or c'est quand même très très compliqué. Mais on va tester ça, on va prendre la roach du coup et c'est reparti. Peut-être qu'enfin on aura la médaille d'argent aussi. Petit truc, petite info, vous allez voir que deux des pistes qu'on va faire aujourd'hui, je les ai déjà faites parce qu'il y a eu un bug au niveau de l'enregistrement. Du coup, bah, je les connaîtrai un peu, mais c'est pas trop grave. Donc allez, c'est parti, on fait ce qu'il nous a dit. Ouais, bah ça change rien pour l'instant, c'est ce que je fais pourtant. Je saute peut-être pas assez rapidement, je sais pas. Ouais, bah non. Je suis assez perplexe sur ce coup là. Ouais, bon bah on va pas non plus rester parce que j'ai pas envie de vous montrer cette piste encore plein de fois. Mais bon, ça ne fonctionne pas cette piste. On l'aura un jour, on l'aura je vous promets, mais pas maintenant. Chaque chose en son temps, elle veut pas qu'on la batte maintenant, je respecte ça. Du coup, on va retourner sur Metropolis et on va s'attaquer à Dead Zeppelin. Du coup, la dernière fois, on avait fait deux pistes, duel de gratte-ciel, on a été resté très très longtemps. Et Parc Relais qu'on avait vraiment bien, même très très bien joué, on avait décroché la médaille d'or. Donc Dead Zeppelin, c'est parti, une piste qui est quand même assez compliquée, je peux vous l'assurer. Donc on y va. En tout cas, si vous voulez décrocher la médaille d'or. Si vous voulez décrocher la médaille de bronze, c'est quand même assez faisable. Donc il faut une faute, vous voyez, et une minute si on veut décrocher une médaille d'or. Donc déjà, ça, vous voyez, c'est quand même un mauvais signe quand ils vous disent que si vous voulez avoir la médaille d'or, vous pouvez quand même vous permettre d'avoir une faute. C'est vraiment la piste est à un niveau assez élevé. Hop, donc bien sûr, comme l'indique le titre, hein, beaucoup de zeppelins dans les parages, dans vraiment le ciel. Un univers de ciel. La 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 la. C'est très très futuriste, encore une fois. On est habitué avec le jeu, on est habitué. Déjà, on a fait un fail à un endroit où on n'aurait pas dû. Ici, c'est quand même assez facile, donc voilà, c'est bon. C'est vraiment en fait la fin de la piste qui est compliquée. C'est là que vous perdrez les pédales, quoi. Voilà, ici, il n'y a pas non plus trop de problèmes. Ça passe bien. Voilà, on récupère le checkpoint. Ici, on passe également. Voilà, et c'est ici que ça va commencer à se compliquer à la fin de la piste. Allez, oh là là, ça... non, bah non, là, il... comme par hasard, je crois que c'est l'arrière de la moto hein, qui a tapé, bah ça a tapé, et du coup, bah, il a fait de la merde. C'est pas grave, je pense que c'est quand même plus que tentable d'avoir une médaille d'or sur cette piste. Donc on va tester, hein, parce qu'une faute, voilà, ils nous permettent de pouvoir en faire une, donc c'est déjà bien. Je pense que c'est possible, il faudra par contre, c'est au dernier obstacle qu'on pourra vraiment se permettre de faire une faute, vous allez voir. Mais pas avant, sinon sinon c'est mort. Voilà. Hop, ici ça passe. De toute façon, si vous voulez vraiment avoir des médailles d'or hein, sur ces pistes, c'est du gros try and retry. Oh, je déteste quand il fait les roues arrière comme ça. Du gros try and retry parce que faut vraiment connaître la piste par cœur si vous voulez permettre de faire une médaille d'or. Ou alors vraiment la piste n'est pas compliquée et assez prévisible pour faire une médaille d'or du premier coup. Mais sinon, vraiment, c'est impossible sur ce jeu. Faut recommencer, recommencer, recommencer encore et encore si vous voulez avoir une médaille d'or. Ok. Oh, ça m'énerve quand il fait de la merde comme ça avec sa moto. La moto, elle part en couille, quoi. Surtout, le pire, c'est quand elle est en roue arrière et du coup, tu peux plus la stabiliser. Et tu te dis, là, bon, merde, hein, c'est mort. C'est mort, c'est mort.
Ok. Ici c'est chiant aussi parce que du coup à chaque fois que vous mettez dessus ça va sauter. Et vous êtes plus stable, voilà. Et voilà. Voilà comment ça finit en accident, comme ils le disent. Allez. Hop. Ok. Thank you. Ok. Bon, stabilise-toi s'il te plaît. Merci. Ça s'est passé. C'est un des obstacles quand même un peu chiant. Même s'il n'est pas après compliqué. Pas besoin qu'un obstacle soit compliqué pour qu'il soit chiant de toute façon. Par exemple, celui-là, là, le prochain qui arrive, il est pas compliqué. Et pourtant, il est plutôt chiant. Bon, là, ça va, on n'a pas tapé. Donc, ça passe. Ah, et c'est ici, vraiment, on peut se permettre la faute. Par contre, là, ce serait bien de pas fauter, s'il vous plaît. Oh, putain, non, la rage. On a passé de vitesse. Non, oh, j'ai envie de recommencer. Je suis désolé, mais on tente une dernière fois. Si on se fail encore à cet endroit, bah tant pis. La médaille d'argent sera pour nous. Par contre, je pense que c'est vachement possible d'avoir la médaille d'or, là, vous voyez. C'était une question d'élan. On n'a pas eu assez d'élan parce qu'on s'est pas assez vite rétabli sur... sur l'espèce, oui, on va dire ça, de tremplin. Donc, ça s'est un peu mal passé. Mais je pense que si... on s'était rétabli un peu plus rapidement, ce serait passé assez crème. Et voilà, il est parti en roue arrière là, bah voilà, vous laissez aller après parce que c'est mort. Ok. Hop. On est bien. Bon, ici, tranquillos, tranquillos, tranquillos. Là, il m'a complètement fait partir en arrière. Allez, vraiment cet obstacle, mais. Truc de bâtard, merci quoi. Oh là là. Non, cette piste. Mon dieu. Abrégez mes souffrances, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, quoi, je le sens pas. Bon là, non. On va se calmer. Voilà. Putain, il m'énerve cet obstacle, il m'énerve, mais pourquoi? Ils auraient pas pu mettre une plateforme normale, non. Le truc doit se rehausser à chaque fois. Et te faire perdre complètement ton équilibre. Ah, c'est chiant. C'est chiant, ils ont fait exprès les connards. Ça c'est les pistes moyens, mais je vous dis pas quand on sera. Bon. C'est vrai que quand on sera en émission, on n'essayera pas forcément de décrocher les médailles d'or. Mais quand même, quoi, faut se le dire. Waouh. Le niveau pour un mec comme moi qui bah c'est son premier trial, c'est pas facile. Ok, là on est bien. Par contre, concentration. Non, mais nos obstacles où je me fail jamais, en plus je me fail. Ah, cette piste, elle est horrible. Ça me rappelle le truc, bah, la piste de la dernière fois là. On était resté aussi très très longtemps, c'est un peu la même chose. Très très chiante sur les bords. Et encore, hein, si ce n'est que t'es que sur les bords, ça irait. Ça irait plutôt bien. Non! Voilà, il est sur un voyage. Oh putain, cette fois on a réussi. Ouf! On a réussi à bien rétablir. Non, mais pourquoi ici alors que je me fais jamais, je me fail. Oh, ça m'énerve. J'ai tellement envie de perfection, finalement, bah voilà, tu te fail à chaque fois. Allez. Maintenant, il va plus me laisser continuer. Hein. Ah non, maintenant, il veut plus me laisser finir la piste. Laisse tomber. Sans faute, en tout cas, bien sûr. Il veut pas aller me... Il veut pas que j'aille jusqu'au dernier... Dernier obstacle entre guillemets, sans faute, il veut pas. La piste est contre moi. Que voulez-vous, hein, quand la piste est contre vous, c'est assez difficile quand même. Faut concevoir. Heureusement que la prochaine piste est quand même beaucoup plus courte, beaucoup plus facile. Parce que là, je commence un peu à en avoir marre de celle-là. Voilà, quand ça commence à partir comme ça, c'est que t'en as un peu marre.
Au moins, ce qui est bien, c'est que je ne rage pas. Je pourrais crier en tous les sens, mais non. Ça ne sert à rien de rager. Même si c'est quand même très très chiant. Ok. Ah, ici, l'obstacle du gros chieur. Qu'il a créé celui-là. J'aimerais bien aller le voir. Ok. Ouf, putain, là, ça n'a pas passé. Eh, mais. Et je sais pas ce que j'ai à cet obstacle, mais il veut plus être passé là, fini. On est déjà à 10 minutes de vidéo et on n'a toujours pas réussi. Ah, c'est pas compliqué pourtant, mais vraiment. Cet obstacle déjà qui fait très très chier. Puis après encore, j'en passe les meilleurs pour les prochains. Hein. Tout ça, ça te fait rager quoi, à force. Ok, donc là, on a réussi. Parle pas trop vite non plus. Voilà, on a réussi. Et on arrive aux deux derniers obstacles. Merci beaucoup. Ça va être bien maintenant. Oula, là, on est parti. On se passe. Ok, ici. On l'a bien fait. On l'a bien fait. Là, on n'aura pas assez d'élan. Encore une fois. Et voilà. Ah vas-y, mais je sais même pas pourquoi en fait j'ai pas assez d'élan là. Finalement je pense que j'étais plutôt bien. Là non plus ça a pas passé, tu vas me dire. S'il te plaît quoi, s'il te plaît. Bon on l'a fini comme ça, mais bon du coup je ferais pas mieux que la première fois où j'ai fait la piste en off, donc c'est dommage. C'est dommage. C'est triste surtout. Ok. Bon bah tant pis. Ça nous fait même pas donner des niveaux. Bah, et merci beaucoup. Merci le jeu. Et du coup, maintenant, on va s'attaquer à Micmac à la marine, qui est quand même assez facile dans l'ensemble, faut se le dire. Et vraiment, là, il y a gros, mais vraiment gros moyen de débloquer une médaille d'or. Là, en fait, le plus compliqué, c'est vraiment de faire un bon temps, mais pas les erreurs. Parce que les erreurs, encore, t'as pas trop moyen d'en faire. Il y a juste un endroit qui est assez délicat. Mais sinon, vraiment, faut speeder le maximum possible sur cette piste. Donc, c'est parti. Hop. Ici en fait c'est vraiment le plus chiant, c'est là où il faut que tu gères. Sinon c'est mort parce que c'est là où tu vas perdre le plus de temps. Donc là on a bien géré je trouve quand même. Donc c'est parti. Je vous préviendrai d'ailleurs quand ce sera l'élément assez fâcheux entre guillemets. Là par contre j'ai pas trop compris ce que faisait la moto. Elle est à 2 à l'heure, donc oui bah quand t'as une moto qui va à 2 à l'heure c'est pas forcément la meilleure chose, surtout dans Trial. Mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Le petit salto, j'ai droit à un bonus de temps, s'il vous plaît. Le gros mendiant. Ok. Ok. C'est ici que va intervenir du coup l'obstacle assez délicat. Et voilà, du coup ça fait ça si vous n'êtes pas assez bien en vitesse ou en cadrage de la moto. Bah c'est mort quoi, c'est mort. Là, ouh. Ça c'est bien ça. Là on a bien géré. Ici on gère bien également. C'est parfait. Excellent. Ce n'est pas le moment de se fail là parce qu'on a fait un très très bon début. Ça je peux vous le dire. Il faut. Ouais, voilà. Bah là on n'avait pas assez de vitesse. Dommage. 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 Ok. Hop on reprend. Voilà. Toc. Toc. Allez, c'est parti. De plus belle. Non, voilà. Là, on avait trop de vitesse. C'est jamais bon. Jamais bon. Au final, je vous dis que c'est le temps qui joue et qu'on n'arrête pas de se fail. C'est un peu contradictoire tout ça. Voilà, c'est bof quand même comme départ, je trouve. Ouais, c'est assez bof. Assez moyen, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose, donc on va continuer gentiment. Ici, tout va se jouer. Ok, on l'a passé. Ici aussi, on l'a passé, c'est bien. On n'aura pas le time, je pense. Si c'est possible, c'est possible, c'est possible. Dépêche. Oh, on l'a. On l'a, putain, à une seconde. Une seconde près, même 500 millième. On l'a eu, la médaille d'or. Ouf. Bon, bah, c'est pas si catastrophique, du coup, comme épisode, quand on a une médaille d'or, comme ça.
C'est top top. Top top tip tap 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 tap. Je rêve, pourquoi ça met 39 médailles sur 38? On devrait pas débloquer un truc. On laisse tomber. Je pense pas que ce soit normal, mais on va laisser faire. Et du coup là, on a le programme d'entraînement FMX. Aïe aïe aïe. Le FMX, il est temps de le faire. Bon bah allez. Donc là, de toute façon, je crois qu'on a fait du coup toutes les pistes dans ce monde. Il reste plus que des trucs assez spéciaux, FMX et tout ça. Donc c'est parti. Le FMX, comme assez chaud, j'en ai jamais fait, donc on va voir ce que ça donne. Bienvenue dans la Soufi Samsara. Là, on va encore s'énerver, je pense. Trick, ok. Trop fine. Orienter la moto les jambes et garde la pause pendant une seconde. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. C'est où? Un Superman? C'est joli. Ok. Tu peux pas te lever un peu plus là? Le FMX, je vous préviens, c'est quand même très compliqué parce que là, justement, ils me disent de faire un truc. Mais il t'indique pas comment le faire en fait. Donc c'est assez difficile, ça joue tout joystick finalement. Mais ouais, c'est assez compliqué là. Je sais pas comment il le fait lui. Si, ça doit être comme ça. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Oh là là. Je déteste le FMX, je déteste. Je sais pas là comment le faire en fait. Voilà. Ils me disent en fait de faire cette position, mais tu le débrouilles, hein. Tu le débrouilles royalement pour le faire. C'est pas ça? Non? Ils sont sérieux quoi. Underdog. Waouh. Ça, non. Si, c'est ça. Le slash. Allez, encore un. Qu'est-ce que tu vas me proposer cette fois? Waouh, debout sur la moto. Comment on fait ça? Ok. Super. Déjà, faut la stabiliser. Oh, mais c'est compliqué, sérieusement. Mais comment tu vas debout sur ta moto, sérieusement? Eh, ça m'énerve, c'est mal fait ce truc. Je suis pas le seul à avoir critiqué ça. J'avais vu des vidéos, les gens ils rageaient sur ce truc parce que vraiment. Merci quoi, ils te disent de faire ça, mais comment tu le fais? Oh, c'est bon. Ouf! Oui, bah merci, mais bon. Oh, on a réussi. Ouf. Ok. Bon bah c'est parti pour le FMX. Non, bon on a fait des petits trucs là. C'était sympa. Ok. On débloque la Fox Bat du coup. La Fox Bat, si je me trompe pas, c'est la moto. Du coup, on pourra que s'en servir pour le FMX et pas pour d'autres pistes. Et on débloque la compétition des cactus qui est le quatrième monde, si je me trompe pas. Le Takeo Panda aussi qui va être le petit quad. Toutes les pistes FMX sont déverrouillées. Alors là, bon, on a débloqué la masse de choses, ok. C'est parfait. Et du coup, il nous manque plus que le permis de course 4 et on aura tout. Alors, est-ce qu'on se le fait, le petit duel des kamikazes? Allez, non, on fera ça du coup dans le prochain épisode. Qui, j'espère, se passera un peu mieux que celui-là. Même si celui-là était encore un peu mieux que le dernier. Même si assez catastrophique pour Dead Zeppelin. Mais j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Et ça récompensera mon travail. Ça soutiendra aussi tous mes fails accomplis. Et puis voilà. Et du coup, j'ai plus qu'une chose à vous dire, on se retrouve dimanche prochain pour la suite. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!